Bonjour à tous, Hervé Matou avec vous pour vous commenter ce match. Oui, et avec Pierre Ménès pour un match international, amical. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Pierre, sur ce match amical? Pas d'enjeu, pas trop de pression, un bon test pour se faire une idée de la forme des équipes. Ouais, on espère un peu de spectacle tout de même. On découvre ensemble la composition de l'équipe. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Le football féminin qui connaît un bel essor depuis quelques années, on commence à en voir de plus en plus à la télé. Oui, on voit bien sûr les matchs de l'équipe de France, quelques matchs de Coupe d'Europe, mais aussi du championnat. À mon avis, c'est un marché très porteur. L'équipe, alignée par l'entraîneur, schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Et le coup d'envoi donné à l'instant. On espère que ce sera un match vivant. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Avec un tir, ça passe très très loin du cadre. Une frappe lointaine, pourquoi pas, frappe lointaine, qui n'inquiète pas vraiment la gardienne. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Et bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Il donne en retrait à sa gardienne. Lumineuse cette passe. Oh, c'est contré ce tir.
Ce sera encore concédé par la défense finalement. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty et on l'a dégagé pour écarter le danger. Ouais, on passe par les côtés. L'arbitre qui accorde le corner. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Attention, ça peut être dangereux. Et ça revient dans l'axe. C'est du petit lot pour la gardienne. Cette frappe de loin, sans danger. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. On écarte le jeu. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah non, le ballon est perdu. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah, la passe en profondeur, attention. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Oh, la faute! Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Ouais, c'est le jaune. Chouïa sévère ce carton. Hein. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Et bien l'intervention, changement de possession. C'est finalement un ballon perdu. Allez, dans le couloir. C'est dans le paquet. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Bon, dégagement, sans se poser de questions. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Oui, il y a un bon coup à jouer. Elle a du soutien. Ah, il y a quelqu'un au premier poteau. Et la bonne anticipation sur ce centre. Oh oui, encore une bonne passe. Ah, la bonne qualité de ses passes. Contrée. Ce sera encore concédé par la défense finalement.
Le corner, le ballon en pleine surface. Mais non, un manque de précision sur cette frappe. C'est récupéré. Touche. Ça siffle dans les tribunes avec cette passe en retrait. Le long de la ligne de touche. Ça part bien, action dangereuse. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? La voie est libre. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ce sera une sortie de but. Ah, bien joué, hein. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Ah, le soutien est là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le centre au premier poteau. Une bonne sortie de la gardienne. Non, elle est interceptée cette passe. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Ah oui, la bonne passe. Le centre à destination de ses partenaires. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Attention, ça peut être dangereux. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah, c'est pour personne. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Ouais, lumineuse cette passe. Oh là là, l'occasion a complètement manqué ce centre qui file direct en touche.
Ouais, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Une première période assez décevante hein, sur le plan offensif. Pas de but en 45 minutes, c'est dommage. C'est donc reparti ici. Début de la seconde période à l'instant. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Idéalement placé là pour le centre. Allez, on écarte loin devant. Ah, elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation, quelque chose de musculaire. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Pouvoir tirer. Et le but ! Oh, l'ouverture du score ! Oh, contre le cours du jeu, il faut bien le dire, hein, Pierre. Ouais, depuis le coup d'envoi, on voit une équipe qui court après le ballon, qui ne se crée pas tellement d'occasion, mais voilà, c'est elle qui mène. Bah, si ce match nous réservait une surprise, en tout cas, c'est ce qui est en train de se produire. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Allez, dans le couloir. Et si elle lève la tête, elle verra qu'elle a du soutien. Elles attendent l'ouverture, visiblement. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Très mal donné hein, ce ballon. La défense qui maîtrise la situation. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Allez, le centre maintenant. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Et la voilà la frappe. Ah non, là pas du tout. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ah non, c'est pour personne. La voie est libre. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc.
Oh, le ballon dangereux. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh, mais tu sais, en foot, tout est possible, hein, même vendanger à ce point. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Le ballon dévié en touche. Oh, c'est l'interception. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Interception. Elle intercepte. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Personne dans le couloir pour gêner cette action. Un bon centre, mais pas personne. Donc un mauvais centre. Ce ballon qui est dégagé. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Attention à la frappe. Oh, la gardienne qui s'empare de ce ballon. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. En profondeur, oui, bien vu. Une action qui ne donne rien. Ouais, vilaine passe directement à peut-être l'égalisation. Ah non, l'égalisation, ça ne sera pas pour ça. Cette fois-ci. Ce changement qui est la conséquence logique du score. En étant mené, l'équipe se doit de réagir. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Bonne anticipation sur cette interception. Et ça profite à l'attaque, l'arbitre qui laisse jouer. Ah, c'est la règle de l'avantage, Hervé. Allez, dans le couloir. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. La frappe. Le ballon qui reste dans les gants de la gardienne. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir.
Ouais, on passe par les côtés. Oh, le grand danger! Ouais, ça passe largement à côté. Et si elle lève la tête, elle verra qu'elle a du soutien. Peut-être l'égalisation. Bon, attention, c'est pas fini. Oh, cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. Le ballon dégagé au large. Ah, et ça sort en touche. Allez, il y a du monde pour reprendre. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et la voilà, la frappe. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe! Elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Et c'est pourtant censé être son pied le plus faible. Hein. Ouais, bah pas si faible que ça, en effet. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Allez, tout est à refaire, un but partout. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. La voie est libre. Oui, la frappe. Elle dévie juste au-dessus de la barre. Et ça sort, ce sera un corner. L'une des dernières occasions de la rencontre. Il faut s'appliquer. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. C'est déptilé pour la gardienne. Cette frappe de loin, sans danger. La touche, très bonne intervention défensive. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Idéalement placé là pour le centre. Le tir. Oh la barre, oh là là. Oh, oh le but. Oh le but de hold-up. Le hold-up, Pierre. Ben ça, on peut pas dire que ce soit mérité au vu. Incroyable. Ah ouais, t'as raison. On peut pas dire que ce soit mérité au vu du match. Mais... Incroyable. Ah oui, incroyable. Redis-le-moi encore une fois. Incroyable. Incroyable. Ah, ils ont tenu et maintenant ils se paient le luxe de prendre l'avantage dans les toutes dernières minutes. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Elle vient peut-être la balle pour égaliser. Une belle occasion hein, qui s'envole et ses partenaires qui ne sont pas contents du tout. Alors que 4 minutes ont été ajoutées au temps réglementaire.
Ce ballon qui est intercepté. Ouais, peut-être une situation intéressante là. C'est la toute dernière attaque, je pense. Oh, l'égalisation, la voici! La voici, enfin! Enfin, c'est mérité, parce que vraiment, une défaite aurait été plus qu'injuste pour cette équipe. Ouais, c'est sûr, ça commençait un petit peu à ressembler à un hold-up, ce match. Au final, c'est assez normal que l'équipe qui a montré le plus de choses soit récompensée comme ça. Mais elle aurait aimé égaliser plus tôt, ça c'est sûr. Assez cruel hein, de concéder un but comme ça dans le temps additionnel. Allez, encore une égalité. Le match est terminé, mais on ne sait pas s'il y aura des prolongations.